Ich bin so froh, ich bin im Fernsehen. Oh, oh, hallo, hallo Mutti, hallo Vati, Oma, Opa, hallo. Thomas, es tut mir leid, aber du bist nur mein Assistent. Was? Ich bin der Star. Ich bin der Star. Mardi 11 février, les classes de l'école Charles Péguy avaient rendez-vous salle Maurice Chevalier pour assister à un spectacle en allemand alliant pédagogie et humour. Lors de cette matinée divisée en deux séances, l'ensemble des élèves de l'école ont eu l'occasion de se familiariser avec la langue de Goethe et d'élargir leur vocabulaire. Thomas, es ist nicht Zeit für Karneval. Nein, nein, es ist Zeit für unser Fernsehprogramm. Über das Saarland. Ja. Lieb, wo? Wo ist das Saarland? Ah, wo ist das Saarland? Schaut die Karte an. Ja, die Karte. Ich bin der Star. Na, ist das gut so? Nein, zurück, Thomas. Na, ist das gut so? Zurück, Thomas! Zurück, Thomas! Das ist das gut so? Zurück, Thomas! Zurück, Thomas! Na, ist das gut so? Es ist perfekt! C'est la quatrième année consécutive que les deux comédiens du Globe Théâtre viennent se produire à Amnéville, à chaque fois avec un nouveau spectacle joué par Delphine Denis et Guillaume Ozzy dans le rôle de Lily et Thomas pour nous faire découvrir une région allemande. Cette fois-ci, c'est la Sarre qui était à l'honneur. On a fait le tour, pas tout le tour de l'Allemagne, mais on a fait la capitale, on a fait la Bavière qui est une très belle région, la plus grande, et puis on vient de faire la plus petite, donc la Sarre, qui se trouve tout près de chez nous, puisque les écoles étaient demandeuses, comme ça, ça leur permet de pouvoir aller après sur place, peut-être, lors d'une journée scolaire, vérifier, voir un petit peu ce qu'il y a à voir en Sarre. C'est très très joli, hein. Il n'y a pas que Meubles Martin. Donc on avait envie de montrer ce qu'il y a d'autre en Sarre et de donner envie aussi aux enfants d'y aller, pourquoi pas, avec leurs parents. On fournit un support pédagogique, que ce soit en anglais ou en allemand, qui fait au minimum 60 pages. Après, il faut faire le tri, mais en tout cas, il y a au moins un petit résumé de l'histoire pour donner quelques clés aux enfants, quelques mots de vocabulaire à répéter. Après, il y a des exercices audio, il y a plein de jeux, d'activités. Mais en tout cas, il y a une petite préparation qui est importante à faire avant, les chansons qui sont sympas à préparer avant aussi, pour que vraiment les enfants fassent le spectacle avec nous, et qu'ils aient quelques clés quand même pour être sûr de bien comprendre toute l'histoire. Même si on utilise des mots transparents, on utilise le vocabulaire qu'ils apprennent en classe, il ne faut pas oublier qu'il arrive que les CP soient mélangés avec les CM2. Donc il faut que tout le monde y trouve son compte, que les petits, même s'ils ne comprennent pas chaque phrase, suivent l'histoire et puis répètent le vocabulaire qu'ils ont déjà, pour la plupart, appris en classe. Puis les CM2, eux, en tout cas dans une école comme à Amnéville, ils vont réussir à comprendre quasiment toutes les phrases et surtout à se rendre compte qu'ils connaissent beaucoup plus de choses que ce qu'ils ne pensaient. Ça, c'est valable aussi souvent pour les sixièmes, quand les collèges nous contactent. Les sixièmes se disent « Ah, j'ai tout compris, je ne pensais pas avoir appris autant de choses. »« Ich bin Lilli und sing in Wien. » Da fließt die Donau, so blau, so blau. Ich liebe Sissi, Mozart und Strauss. Am Musikverein bin ich zu Haus. Ich singe den Walzer, ja, den Walzer auf der Donau. So blau, so blau. Und singe mit mir, ja, mit mir. Die Donau, so blau, so blau. Donc le but, vous l'avez bien compris, c'est de chanter faux pour faire rire les enfants. Voilà.